Attends, ça s'enregistre au moins? Ouais, c'est bon. Stan, que ton écran il bug? Là, je te vois comme ça. Soit tu fais du smurf, soit. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça vient de se remettre. Ah, j'enlève la pub qui va m'embêter. Voilà. Attention. Chingli. Les cordes, je prends mon chrono, je coupe mon téléphone qu'il va sonner toutes les 20 secondes. Tac, hop là. Et 2 minutes de corde, si je trouve la mienne évidemment. Allez, stop, c'est parti! Posé. Pompe. Allez, 20 pompes pour démarrer. Poser les vacances. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 15. Pardon, 16, je dis n'importe quoi. 17, 18, 19 et 20. Perdu dans mon élan, allez, gainage sur les avant-bras, 1 minute. Top, c'est parti. Quelques dips. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 15. Abdos crunch. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, on redresse. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Allez, corde. Deuxième tour. Attention. Oh. C'est parti. 30 pompes, une pour vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10, 20. 30. Gainage. On fait 2 minutes de gainage, 1 minute sur chaque côté. Vous connaissez en latéral. C'est parti. Ça chauffe, hein? Et moi aussi. Attention, top, changer. Voilà.
Voilà, faut bien se redresser. Si vraiment c'est dur, Lucas, tu poses ton genou par terre si tu veux. Hein, ça va faire comme ça. On aura quand même du poids, mais ce sera plus facile. Tam, toi, c'est trop facile, tu fais sur les doigts. Posez. Hop là, pompe, gainage, corde, dips. Allez, 20 dips. C'est parti, pliez bien les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tu plies plus tes bras, Lucas. C'est vraiment que les coudes. Toi, quand tes coudes, il faut qu'ils plient. Si c'est un peu dur, tu descends un petit peu moins bas. Posez. Abdos. Abdos, on va faire les obliques. Oblique en diagonale. Là, je suis ici. Hop, un pied sur un genou. J'essaie de passer l'extérieur du coude sur l'extérieur du genou. On va le plus loin possible derrière. On va alterner 10 de chaque. Deux fois. Attention. Top. 1. 2. 3. 4. Dix, changez de côté. 1, 2, 3, 4. Vingt, changez de côté. Top. 1, 2, 3, 4. 5. Dix. Changez de côté. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Et 40. On redresse. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Continuez. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Et 20. Allez, troisième tour de corde. On your mark, get set. C'est parti.
poser. Réponse, ça a chauffé un peu. 50. Allez, j'attends que Lucas soit prêt. Ah, Lucas est content, c'est bien. Allez, faites ce que vous pouvez. Ça chauffe un peu à la fin pour vous, vous ne vous inquiétez pas. Pour moi aussi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 10. 20. 30. 40. 50. 2 minutes sur les avant-bras, ça a chauffé un peu aussi. Allez, top. Ouf. C'est la moitié. Bien. Voilà. En arrivant, je suis crevé. Allez, 10. C'est parti. Allez, 30. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 20. 5. Pliez bien les bras. Et 30. Abdos. C'est parti. Allez, jambes levées. On alterne. La main gauche touche le pied droit. Main droite touche le pied gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20. 30. 40. 50. On pose les pieds par terre. Hop là. On fait des petits crunchs. Les mains sont serrées. On pousse devant. Très léger. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5.
10. Trente. Quarante. Les mains sont sous les fesses. Les jambes sont tendues. On lève, hop, on frôle le sol et on dresse. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20. On redresse. Flexion. On va alterner gainage, flexion et fente avant. On va démarrer en faisant 10 flexions. Ensuite, on alterne 30 secondes de gainage. On refait 10 flexions, 30 secondes de gainage, 10 fentes avant, etc., etc. Je vous dirai, on va alterner tout ça sur des séries un petit peu plus courtes que ce qu'on a fait la semaine dernière. On démarre 10 flexions. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettez-vous en gainage. Et on tient. Gainage chaise, évidemment, oui, vu qu'on fait des flexions. Je ne l'avais pas dit, ça me semblait logique. Les bras sont où vous voulez, mais pas contre le mur et pas sur les genoux, évidemment. Top, 10 flexions. C'est parti, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gainage, 30 secondes. C'est parti. On démarrera ensuite quand on se relèvera sur des fentes avant. 10 du côté que vous voulez. Me glisser un truc. Relevez. Fente avant, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, gainage encore. Stop et on tient. Et le dernier, on fera 10 fentes avant de l'autre côté. On aura presque fini l'échauffement. Et... Relevez, fente avant, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, sautillez, détendez tout. Sautillez, sautillez. Une étagère qui est en train de se casser la gueule. Je gère les urgences en même temps que vous, là. On va faire ça, moi. Allez, montez un peu les genoux, on dynamise ça. Relâche. Allez, on passe en étirement. Je redescends un peu mon angle de vue. Allez, jambe gauche devant. Et on appuie. 1, 2, 3, 5, 6, 10. Deux mains au sol, décollez le talon. 1, 2,
3, 4, 5. 10, changez de côté encore. Pompou. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, on décolle. Deux mains au sol. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 10. On pose les deux pieds à plat au sol. On fait attention, il ne faut pas que ça tire trop. Sur la hanche, hop, une jambe fléchie, une jambe tendue. Si vraiment c'est dur, on met les mains devant pour céder, sinon, hop, on reste comme on veut. On fait plus pour l'équilibre. On essaie d'avoir le regard en direction de la jambe tendue. Aidez-vous avec les mains, changez de côté, tranquillement. On change de côté encore, mais cette fois-ci, la pointe de pied passe vers le haut. Un petit peu plus facile à faire. Et là, on fait des petits à-coups. Vous faites ça librement, tranquillement, pour accentuer l'étirement. Et que ça étire évidemment majoritairement les adducteurs et l'arrière de la jambe tendue. On change de côté. On tient quelques secondes. Allez, appuyez. Regarde la jambe tendue, Lucas. Même tu mettes au bout de ton pied en l'air. Je ne sais pas si tu l'as là, Lucas, mais tiens ton pied là, pas comme ça, hop, en l'air. Allez, glissez sur les deux jambes, hop, on tend tranquillement. Dès que ça commence à tirer un tout petit peu, on maintient. Essayez-vous doucement, en tout cas le plus doucement possible. Allez, main gauche, pied gauche, on bascule doucement, vers l'appui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Passez de l'autre côté, on se place doucement, appuyez. 1, 2, 4. 10, et deux mains devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se retire doucement, on ne reste pas trop longtemps, sinon on va endormir un petit peu les adducteurs, si on ne veut pas. Jambes arrière fléchies, jambes avant tendues. Les deux mains dans le bas du dos, on descend doucement. Appuyez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, les deux mains vers le pied. 1, 2, continuez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Changez de côté. On se place doucement. Les deux mains dans le bas du dos, on descend à la coule. Et dès que ça va, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux mains vers le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Et on dresse. Allez, rebougez un petit peu. On va échauffer un tout petit peu plus le hanche-bassin. Hop là, tranquillement, on est ici, on lève. Hop, et on part sur le côté. Vers l'extérieur. 10 fois, c'est parti. 1, 2, 3.
3, 4, 5, allez, le genou très haut, Lucas. 6, 7, 8, 9, 10, l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, vous buvez un petit coup et je vous déconnecte et on se reconnecte. A tout de suite. Hop là, on redémarre l'enregistrement. C'est parti. On démarre sur les directs. Donc direct au ralenti, puis direct après rapide. Donc on se place bien. Hein, droitier, jambe gauche devant. On est bien en garde à Lucas. Et là, on va pivoter à droite, à gauche. 10 fois d'un côté, 10 fois, on fera l'autre côté aussi, remarquez. 10 fois tranquillement pour bien se placer, et puis 10 fois ensuite en mettant un peu de pêche. Il faut bien penser à bien revenir en garde à Lucas. Garder les bras bien haut. Souvent, tu as les bras, tu as vu ton bras droit là. Regarde Lucas, ton bras droit là, souvent il fait ça là. Il vient là, tu vois, puis il redescend de 10 cm. Là, c'est vraiment, je suis en haut, je reviens en haut. Allez, attention. Allez, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapide. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même dans l'autre garde. Jambe droite devant, hop, le point droit qui démarre. On commence par le doucement. C'est parti. 1, 2, 3, pivote plus, Lucas. 4, voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on fait la même sur les coups de pied de face. Les coups de pied, on fera qu'un seul côté. Il n'y a pas d'intérêt forcément à faire les deux. Sachant qu'à chaque fois, on va alterner avant, arrière. Je vais redescendre un tout petit peu ça. On pense bien, par contre, à pivoter hein, quand vous faites vos coups de pied. Je ne veux pas voir des coups de pied de face où la jambe d'appui ne bouge pas. Hein. Coup de pied de face, même jambe avant, je lève. Quand je frappe, je tourne hein, pour envoyer un peu plus de force grâce à la hanche. Donc, je démarre jambe avant, je repose, jambe arrière et je reviens en garde. 10 doucement et puis 10 du coup, forcément, un peu plus vite. Je n'ai pas bien compris comment est-ce qu'on pivote avec la jambe. Il faut que tu mettes un petit peu de force en fait. En fait, si tu ne mets pas de force, en fait, ce qu'il faut, c'est chercher à mettre. Normalement, si tu cherches à mettre ton épaule bien devant en tournant, ça va aider à tourner normalement. Normalement, si tu as les deux épaules bien en face, là, on peut tourner, mais ce n'est pas facile. Alors que si je mets mon épaule devant, hop là, ça va m'aider un petit peu à tourner, parce que le mouvement, de toute façon, je ne peux pas le faire si je ne tourne pas. Il faut faire attention à l'équilibre. Mais normalement, si tu mets un petit peu de force quand tu vas venir pousser ici, là, ça va se faire naturellement, le petit pivot. Si tu ne tournes pas à fond, ce n'est pas très grave, mais il faut que ça tourne un petit peu. Sinon, il faut que je vois la différence entre un coup de pied, un coup de pied où je lève juste mon genou, et puis un autre où je vais venir vraiment pousser, où ça va vraiment être fort. Allez, 10 comme on a fait là, en enchaînement. Attention, on démarre avant, on finit arrière. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, c'est rapide. Allez, c'est parti. 1, 2, 3.
Attention à la garde, Lucas, faut pas que ça bouge trop. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ouf, ça tient un petit peu. Bon, j'espère que tu as tout fait, Stan, parce que ton écran bug. Pour moi, depuis tout à l'heure, t'es comme ça. Ah, mais alors bon. Ah, ben non. Il a coupé, Stan, il est malin. Ah non, il n'a pas coupé. Ah, mais ça revient. Allez, la même sur les crochets. Crochet, court. Donc là, je suis bien en garde. Je tourne. J'envoie mon crochet gauche. Moi, je mets un peu plus de poids en arrière. Ça peut être le poids en avant. C'est pas gênant. Et ensuite, par contre, sur le crochet arrière, là, le poids est en avant. J'ai plus de tendance à faire arrière, ou en tout cas sur place. Et après, je pars un peu en avant. Mais comme vous voulez. Il faut bien avoir quelque chose de court. Hein. Je tourne, je commence à ouvrir le poing, et je frappe. Je reviens, on évite de voir les crochets qui partent de trop loin. Court, je reviens, et court. Je commence à tourner, je finis avec le mouvement de bras après. Le pied doit bien tourner, et pareil, l'épaule passe bien devant à chaque fois. Allez, et doucement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, rapide. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. On change de côté, attention. Changer de garde. De toute façon, c'est plus dur forcément. C'est parti. 1. Placez-vous bien. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et rapide. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf, on relâche les épaules. Moins le quart, on attend de tout faire. Allez, la suite, coup de pied, on va faire circulaire, comme ça, ça va nous aider justement à déverrouiller un petit peu les hanches pour le coup de pied de côté qui sera peut-être un petit peu dur à la fin à faire. Les coups de pied circulaires, vu que c'est des coups de pied qu'on fait beaucoup et qui ne sont pas hyper compliqués à faire là sur la partie que l'on fait là, on va faire les deux côtés. Donc on va démarrer jambe gauche et après jambe droite, et après on démarrera dans l'autre garde, jambe droite avant et jambe gauche arrière, voilà, ou inversement comme vous voulez, mais... On fera les deux jambes des deux côtés en faisant attention à la garde, hein, Lucas. Pas forcément besoin de lever très très haut, mais on essaie de le faire au moins en low kick ou en middle. Quoi. Voilà, ne faites pas tout en low kick, mais il faut bien chercher à pivoter. Puis là, pareil, il faut que le pied d'appui, hein, Lucas, il faut que ton pied à la fin, il faut que ça tourne le plus possible. Il faut vraiment que tu aies une épaule bien devant à la fin. Voilà, alors sans me faire un truc comme ça aussi. Hein. Parce que là, tu perds l'équilibre. Il faut que le poids, ton poids, il doit rester en arrière. Tu dois pouvoir rester un petit peu en équilibre, légèrement. Allez, 10 doucement, 10 rapidement, et c'est parti. 1, vous gérez la hauteur. 2, 3, allez, pivotez bien même sur le premier. 4, 5, 6, 7, pense à ta garde, Lucas, monte tes bras. 8.
9, 10, allez, les rapides, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on change de côté. On alterne jambes avant et jambes arrière. On commence par les doucement. Le doucement, ça nous fera la récupération active. C'est parti. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Un peu sur le dos, moi. Allez, la suite en rapide. Attention. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et on se file. Allez, la suite. Uppercut. On se place. Uppercut court. On met le poids en avant. Lorsque j'envoie mon uppercut, on plie un petit peu le buste. Et on remonte. Quand je remonte, voilà, moi on peut pareil comme tout à l'heure, comme sur le crochet, il y en a qui mettent leur poids en avant. Moi, je préfère le mettre entre mes deux jambes, voire légèrement en arrière pour le premier. Et envoyez deux. Mais attention, si on le met en arrière, ne pas faire un genre un coup où je m'éloigne pour faire un truc comme ça. C'est juste le poids du corps, un tout petit peu. Le coude va forcément descendre un petit peu un moment pour lever. Mais il faut que je voie un truc vraiment qui ressemble à ça et pas un truc qui ressemble à ça. Hein, ça, au 10e round des compètes, vous pouvez faire ça si vous voulez. Mais au début, là, on est frais. Hop, boum, on fait des petits mouvements très courts. On tourne bien. Je dois bien avoir une seule épaule à chaque fois en action. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Reviens bien en garde, Lucas, à chaque fois. 7. 8. Stan, il est flou, donc je peux rien voir. 9. Et 10, mais ça a l'air très bien. Allez, rapide. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On change de garde. L'autre bras démarre, on fait comment? On commence par les doucement, allez-y vraiment doucement au départ pour bien travailler l'équilibre et le placement. Il ne faut pas hésiter à écarter un peu plus les jambes, que ce qu'on pense, si on est trop droit, on a tendance à tomber un peu. Allez, attention. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. Il faut que tu pivotes plus sur ton côté, sur ton côté droit, Lucas. 6, le côté arrière là pour qu'il tourne plus, voilà. 7, ça nous a quitté. 8, 9 et 10. Allez, rapide, attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9 et 10. Et on sautille un peu. Allez, il nous reste mieux. Le dernier à faire, le coup de pied de... Le coup de pied de... Côté. Ça marche, super. Coup de pied de côté. Coup de pied de côté, ça va peut-être tirer un petit peu. On s'étirera après pour bien le faire. Là, on va alterner les deux côtés. Un coup à gauche, un coup à droite. Là, on va venir lever ici. Boum. On revient et on envoie l'autre. Boum. Lentement. Et après, on passe sur le rapide. Donc, à chaque fois que je compte un, évidemment, je fais un coup de pied d'un côté, puis un coup de pied de l'autre. Attention. Commence par le côté que tu veux. Pareil, il faut bien lever le genou. Il faut bien que je vois que ça pousse. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Attention, on passe au rapide. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on sautille. C'est malin, cette année, il arrive sur la fin, là. 53, on peut encore en faire un autre. Et bien sûr, ça, vous allez me faire pour finir justement un petit shadows. Un petit shadows, 2 minutes, où je vais retrouver uniquement les techniques qu'on a vues là ce soir. Ça, Lucas, c'est le dernier UV de la partie sangla, c'est ce qui remplace la partie combat quand on est en confinement. Alors que là, c'est à toi de me montrer tous les mouvements d'attaque que tu connais, qu'on a fait là, mais qui sont bien faits. Je ne veux pas avoir de choses trop bizarres, mais je veux voir direct, coup de poing direct, crochet, uppercut, coup de pied de face, côté circulaire, au corps, à la tête. Alors, si les coups de pied de face, ça, et les coups de pied de poing, si les coups de pied de côté et de face, oui, tu ne les fais pas à la tête, ce n'est pas grave. Mais sinon, je veux tout voir aux deux niveaux, et même les low kicks, évidemment, au niveau bas. Le tout en garde, il faut que ça ait un petit peu de rythme. Pour que ce soit des enchaînements, il ne faut pas que je vois des coups isolés. Il faut vraiment voir que ça suit, boum, boum, des enchaînements d'attaque. Allez, je mets mon chrono et je vous regarde 2 minutes. Et mon chrono est là, ça tombe bien. Allez, attention. Préparez-vous. C'est... maintenant. On est arrivé. C'est parti. Fais ta garde, Lucas. Voilà, monte bien. Essaye de laisser ta jambe gauche devant, Lucas. Je pense que là, tu n'es pas dans la bonne garde. Tu es droitier. Voilà. Et toi, Stan, tu veux faire des retournées, tu peux. Lucas, c'est parce qu'il prépare un grade où il n'y a que ça, mais voilà. J'ai fait la moitié ou presque.
Garde en face de toi, Lucas. Regarde où tu frappes. Monte tes bras. Là, ta garde est toute basse, là. Allez, temps. Allez, soufflez, c'est bien. Buvez un petit peu si besoin. Si vous avez une bouteille à côté de vous. Et après, dès que c'est fait, hop. Big écart, comme d'habitude. Allez, les pointes de pied passent vers le haut, on essaye de s'asseoir. Les mains sont devant et on s'allonge tranquillement. Allez, passez sur une jambe. Allongez-vous tranquillement, soufflez bien. C'est la récup. On décongestionne les muscles qu'on a étirés, évidemment, là, sur le bas du corps. Vous cherchez vraiment à s'étirer. Il ne faut pas qu'on sente du tout de douleur hein, au niveau du dos. Changer de côté. Allez, relâchez, vous vous retirez doucement. On est sur un genou, un pied. Hop, on attrape le pied de la jambe arrière, on tire fortement le talon au niveau des fessiers. Où est-ce que je peux le faire debout? Oui, si tu préfères. Oui, puisque toi, tu n'as pas de tapis de sol là, bien sûr, oui. Et on relâche. Passez l'autre côté. Et on relâche. On va passer sur le haut du corps. Hop là, on lève un bras, on met entre les deux omoplates. On appuie sur le coude, on redresse bien. Là, ça va bien étirer hein, les triceps qu'on a étirés tout à l'heure. Musclé tout à l'heure. Et on relâche. Côté. Et on appuie. Et on relâche. Bras en face de soi,
On attrape le coude avec la prise naturelle, juste au niveau du coude avec deux doigts. Hop, on tire, on essaie de rester le buste droit. Changer. Et on tire. On relâche et vous pouvez vous remettre en place pour le salut. Chingy. Allez, j'espère que tout s'est bien passé. Je vous dis à samedi matin. Soyez en forme. Normalement, ce sera du sanda vu qu'il risque de cailler encore beaucoup, beaucoup. J'oublie pas le bâton, hein, dès qu'il fait un peu plus beau, Lucas. Et puis, guettez bien vos mails plutôt dimanche, mais il y aura peut-être des perturbations sur les Zooms la semaine prochaine, vu qu'on n'était pas trop nombreux là en début de semaine. Pour ne pas dire que j'étais tout seul, je vais peut-être prendre quelques jours de vacances la semaine prochaine, je ne sais pas trop quand, mais peut-être qu'il y aura, moins de Zooms uniquement la semaine prochaine à partir de mardi. Normalement, lundi, ça devrait aller, mais mardi, mercredi, jeudi, peut-être, je dis peut-être qu'il n'y aura pas de Zoom ou. Je remplacerai par des tutos où on verra. Donc, guettez bien vos mails de dimanche pour, voilà, pour connaître la programmation des cours et ne pas sauter le premier cours si jamais vous pensiez faire les autres, par exemple. Allez, je vous dis à. Okay. Et bien, à demain. À bientôt. Ciao. Salut. À samedi. À samedi, Lucas.